D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luc du 4, tu gagneras un super magical chest. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le pack opening du jour. Hier j'en ai pas sorti parce qu'en fait il y avait pas mal de problèmes. En fait si vous voulez, j'en ai ouvert sans faire exprès deux en début de matinée. Puis après j'en ai ouvert un troisième sans faire exprès. Du coup je me suis dit que ça sert à rien que je fasse un pack opening du jour si j'ai que deux coffres à ouvrir, ça le fait pas trop. Donc bah, je fais ça un jour après. Alors vous pouvez voir aussi le meilleur shop du monde, hein, comme vous avez vu dans le titre. Le meilleur shop du monde. Voilà. Si vous avez mieux, contactez-moi surtout dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez eu d'ailleurs aujourd'hui. Mais moi, voilà ce que j'ai eu. Canon, gobelin et en épique, armée du squelette. Je pense qu'on peut pas faire pire. On peut vraiment pas faire pire. Je sais pas ce qu'il dit. Non, on peut pas faire pire. À la place, oui, on aurait pu mettre à la place du canon peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Ben, les squelettes. Non, vraiment, le pire, ça aurait été ça, quoi. Ça aurait été squelette, gobelin et armée de squelettes. Ça c'est le pire, je pense que c'est le pire. Là encore dans le canon j'en ai acheté deux au cas où. Mais vraiment ça c'était quasiment le pire shop. Non mais vraiment ouais, bah, on est pas loin, c'est ça. Juste le squelette à la place du canon et on était dans le pire shop du monde. Voilà, enfin shop du monde, je sais pas. Mais on est dans le pire shop en tout cas qui peut exister sur Clash Royale. C'est quasiment pareil on va dire. Bref du coup on va s'ouvrir un petit coffre gratuit. Hop là, 87 d'or, une pierre tombale et 10 Tesla. Ok. On va s'ouvrir un coffre en argent. 63 d'or. Une TDE et 10 squelettes. Alors vous voyez que mes gemmes sont toujours négatifs. Mais normalement ça devrait s'arranger fin de semaine ou début de semaine prochaine. Je devrais plus être en négatif, j'espère. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est que en fait, tout simplement. Je vais faire un petit coucou YouTube, attendez avant. Et après je vais vous. Coucou YouTube, voilà. Donc aussi, donc là je vais jouer avec le même deck, hein. Je vais jouer avec le même deck que d'habitude. Ça va pas changer pour cette vidéo là, mais faudrait vraiment que je trouve des nouveaux decks pour les prochaines vidéos. Mais là, voilà, donc vu qu'il y a le meilleur, il y a le pire deck du monde, je me suis dit bon ça va aller. C'est déjà quand même pas mal pour cette vidéo, le pire shop du monde. Donc voilà. On va se faire quelques attaques. Et puis on va. Donc voilà, on va faire quelques attaques. C'est parti. J'espère d'ailleurs, voilà, ce que je voulais dire. J'espère d'ailleurs, voilà, avoir une légendaire dans un de ces coffres que j'ai. Ça fait super longtemps que j'en ai pas eu dans les coffres gratuits. Vous allez me dire, il y en a qui vont me dire, ouais, moi je n'ai jamais eu. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont jamais eu. Mais bon, j'aimerais bien en avoir au moins une. Ça ferait plaisir. Ça me ferait plaisir. Et puis voilà, avoir pourquoi pas la bûche ou le bûcheron, ça serait sympa. D'ailleurs, j'ai eu. Attendez, je me concentre un petit peu. Donc d'ailleurs comme je disais, j'ai eu la bûche ou le. Non j'ai eu la bûche dans le shop. Pas le bûcheron, la bûche dans le shop. Mais je n'ai pas pu l'acheter parce que j'avais que 20 000 d'or et il me fallait donc 40 000 d'or. Ok, ça a un petit peu bugué au début, mais là ça va et par contre pour défendre ça va être un petit peu dur. Hein. Ouais. J'espère qu'il va pas mettre le gargouille, sinon j'ai. Ok, donc ça va. Ça va, ça va. Oh, j'ai la tour. J'ai la tour. Allez, niveau 9 aussi. 3348 trophées, j'ai la tour. Ça a bugué en plus au début un petit peu, comme vous avez vu. Et j'ai la tour, bah super. C'est super. Ça, c'est cool. Et peut-être la tourelle centrale aussi, hein. La tourelle centrale qui fait pas mal de. Je fais pas mal de dégâts dessus, là. Le ballon qui fait encore un petit peu de dégâts. Ouais, c'est pas mal. 2400. D'ailleurs, le gobelin qui a détruit le sorcier de glace, hein. GG à lui. Bien joué à lui. Ok, donc là il y a le mineur qui va m'embêter un petit peu, mais ça va aller tranquillement comme ceci. Voilà, bon là j'aurais pu laisser la princesse, mais bon, si je laisse la princesse, il y avait quelques risques qu'il me prenne ma tourelle, ou en tout cas pas loin. Ah, donc là c'est bien joué, là c'est bien joué. Je mets le ballon, on va tenter le. Pas assez d'élixir, ok, là c'est bon, j'ai assez d'élixir. On va tenter donc le. Directement le. Bah le 3-0, hein, et je pense qu'on est très très bien parti pour le 3-0. Et voilà, 3-0. Yes, ça c'est cool. Ah, j'aurais pu avoir. Non. J'allais dire, j'aurais pu ouvrir le coffre à couronne et gagner 3 étoiles. Enfin, 3 couronnes. Mais en fait, non, parce que c'est le coffre du jour. Ah, j'ai un coffre en argent, dommage. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de super coffre magique, ouais. De super magical chest, c'est pareil. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Ok, on a un petit coffre qu'on va ouvrir donc maintenant. On va s'ouvrir un autre coffre en argent.
63 d'or, une cabane de barbare et 10 géants. Mince, bon, on ouvre celui-là. Il a voulu qu'on l'ouvre, ce coffre en or qui était en bas à droite, mais on l'ouvre du coup. 253 d'or, un géant royal, 13 canons. Oh, on les a bientôt niveau 11. On se rapproche tout doucement, je pense, dans un ou deux jours, on les aura niveau 11. Ensuite, 20 chevaliers et... Ok, 4 fournaises, bon. Voilà, il y a la fournaise. Ok, il n'y a personne sur le clan. Ah, je suis tout seul en plus. Hein. 1 sur 50. Bref, donc voilà, une fournaise. Un petit peu déçu de la fournaise, là, quand même. Un petit peu déçu. J'aimerais bien aimer voilà, le géant. J'ai quasiment jamais de géant dans les coffres. C'est un petit peu dommage. Bref, on repart attaquer. Donc voilà, bonne attaque. 3-0. Hein. Très joli. Contre un niveau 9. En plus, au début, ça buguait un petit peu. Mais après, ça s'est bien passé. Donc c'est plutôt cool. Ok, donc là qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, ça joue canon, mais qu'est-ce que je fais? J'attends, hein. Ok, d'accord. Oula, non, en fait j'attends pas parce que là il a la princesse. Allez, non, allez. Dommage. Dommage là, dommage que ça a bugué parce que sinon là j'avais. Dommage, j'aurais pu mettre le géant plus devant. Ah bon, bah, GG, hein. Je perds mon ballon inutilement, j'ai perdu 4 d'élixir, du coup je crois même 5 d'élixir, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que là je pense que la princesse je pouvais l'avoir. Hein. Ça a bugué un petit peu, du coup j'ai pas pu avoir la princesse. Je suis un petit peu déçu là, un petit peu déçu. Oula, il faut que j'attaque. On a 10 d'élixir, quand on a 10 d'élixir faut attaquer, hein. Sinon vous perdez d'élixir inutilement. Donc vraiment ne jamais perdre d'élixir inutilement. Donc là il met le golem, donc je vais essayer de mettre le canon au bon moment. Et aussi d'attaquer avec les gargouilles peut-être, on va voir. Ok d'accord, sort de poison, super. Ça c'est super, on va mettre le canon juste là. Je prépare aussi les fléchettes pour la princesse, qui devrait arriver bientôt, je pense. On va les mettre ici, gargouille. On se prépare pour la princesse, ok, super. Super, hop là, yes. Allez, le mini P.K., yes, c'est bon. Bon, c'est bon, il faut aucun dégât sur la tourelle. Et je vais faire peut-être un petit peu de dégâts sur sa tourelle, Non, même pas, même pas, même pas. Je mets la princesse pour défendre quand les gargouilles vont arriver. Enfin, quand le seul... Enfin, non, ils sont deux. Il y a deux gargouilles. Deux petits gargouilles qui arrivent, mais c'est réglé. Voilà. Bon, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. Donc, il a le sort de poison, il a le golem, il a l'extracteur, il a le canon, il a la princesse. Il a les gargouilles. Il a le mini P.K. et les squelettes. Il manque une chose, je crois, ou deux. Donc, voilà, je connais quasiment son deck. Donc, là, la princesse qui fait pas mal de dégâts, d'ailleurs. On va en profiter, hein, du coup. Hein. On en profite, hein. Donc là je remets le géant, donc là je sais qu'il économise, enfin il fait exprès de garder son sort de poison. Donc là qu'est-ce que je fais? Mince, je vais mettre les canons, je voulais mettre les barbares pardon, à gauche, bon c'est pas grave, c'est pas très très grave. On va s'en sortir quand même, on va s'en sortir quand même. Enfin j'espère. Le mini P.K. qui m'embête encore un petit peu. Aïe, ouais là par contre la princesse GG. Bien joué avec la princesse, elle a très très bien joué. Mini P.K. qui va faire beaucoup de dégâts sur ma tourelle. Aïe. Mais bien joué là, vraiment bien joué. Mais après j'ai mal joué avec les barbares. J'aurais bien joué avec les barbares, j'aurais pu avoir cette tourelle peut-être de gauche. En fait je voulais tester les barbares à gauche. Mais voilà, ça n'a pas marché. Donc là les ballons, j'ai un ballon. J'ai un ballon. On se prépare comme ceci. Je prépare les fléchettes. Yeah, c'est bon, on a gagné, je pense, hein, c'est pas encore sûr. Ah, quoique, ouais, je sais pas. Ouais, c'est bon, on a gagné. Ouf, c'était serré. C'était quand même très très serré là. Mais on a gagné. Deuxième victoire, c'est vraiment une très bonne vidéo. Un coffre en argent encore une fois, ok. Bon, si tu veux, Clash Royale, si tu veux. On ouvre le deuxième, ok, on a que trois cartes, enfin deux cartes et 77 d'or. Ensuite, on a un zap, donc, enfin non, 9 électructions, 9 zap. Et attention, ok, deux boules de feu. On s'ouvre quoi? On s'ouvre le coffre à couronne peut-être, je sais pas, j'hésite. Le coffre à couronne à la fin, allez. Parce que le coffre à couronne souvent on a des bonnes cartes. J'ai déjà eu une légendaire dans un coffre à couronne, donc peut-être. On va s'ouvrir donc le coffre en or. 228 d'or. Enfin le coffre, oui, le coffre en or. 7 bombardiers, 14 archers, 14 canons, on se rapproche du niveau 11 avec le canon là. Là, dans quelques instants, on aura le... Enfin, dans quelques instants, dans quelques heures, on aura le canon au niveau 11. Les dernières cartes, nous avons quoi? Nous avons 3 Valkyries, ok. Allez, on part attaquer et on va essayer de gagner. Puis après, ouvrir le coffre à couronne. J'espère qu'on va avoir une légendaire, j'espère. Donc là, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais mettre les petits gobelins juste devant. Et les niveaux 11. Niveau 11, c'est pas trop mon truc. J'ai eu peur là. J'ai eu peur. Ok, pour l'instant ça se passe bien, il y a le mineur qui va arriver. Allez, le bombardier va sur le ballon. Sur le géant, pardon, sur le géant. Yes. Yes. Donc là on met ça ici. Ah mince, j'ai mis trop tôt. J'ai mis trop tôt ce ballon. Dommage. Je pensais pas qu'il allait être aussi lent le géant. Avec le sorcier de glace. Mais en tout cas bien joué. Hein. Donc la princesse qui est toujours debout, hein, il lui reste que très très peu de vie, elle est toujours debout, tant mieux. Donc là j'ai sa tourelle. Bah super, super, j'ai sa tourelle. Enfin quasiment. Pas sûr encore. Ouais. Ou de peu quand même, de peu. J'ai toujours la princesse. La princesse est toujours là. Un petit peu de dégâts encore. Super, la princesse qui a fait vraiment du bon travail de ce côté-là. Du coup, c'est super. On va essayer d'avoir le côté gauche maintenant. Bah, je pensais pas gagner la 3 victoires d'affilée. Vraiment, très très bonne vidéo. Excellent. Excellent, excellent. Je suis en pleine forme. Hein. Vraiment, je pense qu'on va, partir sur un rush, hein, la prochaine vidéo. Hein. On va partir sur un rush. Donc là, la princesse. Je vais essayer de mettre les gargouilles peut-être. Ok, non, même pas. Même... Ouh, ouais, là, on est bien. On est très très bien. Regardez un petit peu l'attaque. Vraiment pas mal. Hop là, parfait. La toile à gauche, là qui, oh là, bien joué. Alors là, le zap, bien, vraiment bien joué le zap. Je n'attendais pas ce qu'il zappe. S'il n'aurait pas mis le zap, il était mal parti. Mais là, il a mis le zap, donc bien joué à lui. On met le canon pour défendre des deux côtés, comme ça, enfin au milieu, comme ça, on défend les deux côtés. C'est pratique. Ok, déjà un royal. Ça joue fort, ça joue fort, ça joue fort. On met la princesse. Ok, je voulais mettre la princesse, pas les barbares. En plus, surtout ici. Les barbares ici, ça sert à rien du tout. Et en plus, je vais pas de mes barbares à cause du bombardier. Alors là vraiment, je sais pas si on peut faire mieux que ça. Hein. Ah dommage, la princesse je crois qu'elle avait les gargouilles. Bon c'est pas grave. C'est pas très très grave. On va mettre le canon parce que j'ai vraiment envie de gagner la tourelle de gauche. J'ai vraiment envie de défendre donc on va essayer de faire ça. Ok donc là c'est un petit peu... ok on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et là on est bien. Ouais, il y a encore le bombardier là, le sapeur qui est vraiment très très puissant. Allez, je tente. Bon, on va tenter un 2-1, je pense. Ah non, mais pas. 2-0. Ok, super. J'avais même pas vu que. Yes, bah 2-0. Il reste 15 secondes. Peut-être il va faire un 2-1. Peut-être qu'il va réussir à faire. À avoir une tour. Peut-être, hein. Il reste un petit peu de temps, il reste 8 secondes. Est-ce que je peux avoir peut-être la tourelle centrale? La tour centrale, il reste un petit peu de temps, 4 secondes. Ouais, je vais pas avoir le temps. Je vais pas avoir le temps. Il a quitté le combat. Ok, il a quitté le combat à la fin. Ben donc voilà, vraiment 3 bonnes games. Hein. Dommage qu'on ait pas de bon coffre. Qu'est-ce qu'on a comme coffre là? Encore un coffre en argent. Ben pas déçu là, on a gagné 100 trophées presque. Ben pas déçu du tout. J'ai plus qu'à continuer là, il me reste que 120 trophées. Puis je bats mon record, donc c'est super. Hein. Vraiment super ces gameplays là, 3 victoires, vraiment étonné. Ah, ça fait longtemps que j'ai... Ouais, oula. On était sur un bon ratio là, que des victoires quasiment. Ça fait plaisir. Bref, allez le coffre à couronne, j'espère du coup pour ces 3 victoires qu'on va avoir une légendaire. C'est parti, 600 d'or. Ouh, ça fait plaisir. 2 gemmes. 29 mortiers. 39 esprits de feu. 7 cabanes de barbares et... Une épique, nous avons le miroir. Ok, le miroir. Bon, ça reste vraiment très très intéressant. On a tout gagné, donc vraiment c'est super. Hein. C'est la première fois que je crois dans le pack opening du jour que je gagne toutes mes attaques. Vraiment super. Très très bonne vidéo en tout cas. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo et à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao ciao.